Alors, ce que l'on sème de trio, on va démarrer par l'intro. L'intro qui est normalement jouée par une guitare 12 cordes, d'où les doubles notes. On va simplifier tout ça, on va faire comme si on avait une guitare 12 cordes, mais avec une guitare 6 cordes. Ce qui va nous donner, on démarre sur la corde de sol, donc la troisième en démarrant du bas, en quatrième. Je passe ensuite à la corde de si. 2, 3. Je remonte sur ma corde de ré. En fait, là, la corde de ré, un quatrième en démarrant du bas. En fait, là, je vais passer de 2 en haut. De 2 en 4. En slide, en fait. 2, 0. Partie-là, je la joue deux fois de suite. Et au bout de la deuxième fois, après ma corde à vide, après mon ré, je fais ce qu'on appelle un hammer en faisant un 2. Et je vais la jouer une fois en vitesse lente et une fois en vitesse normale. On est parti. On commence. Ça sera pour l'intro. En ce qui concerne les accords, deux accords, un si mineur que je joue en septième position, 7, 9, 9, 7, 7, 7. J'aurais pu aussi jouer en deuxième position, parce que maintenant je ne joue pas la première corde, 2, 4, 4, 3, 2. Ça sonne pareil, ça c'est une question que je préfère jouer ici, que j'enchaîne avec un la. 5, 7, 7, 6, 5, 5. La rythmique. Pour les couplets, on va avoir un basse aigu, basse aigu. Je chante, basse aigu, basse aigu. Ça, ça sera pour les couplets. Pour les refrains, il y aura tout le temps cette histoire de basse aigu, sauf qu'on le fera 4 fois. Donc, basse aigu, basse aigu, basse aigu, basse aigu. On change d'accord, basse aigu, basse aigu, basse aigu, basse aigu. Donc je vais chanter ce truc-là. On est parti. J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé toi de m'attendre une rose. J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste. Sur la fin du couplet, j'ai oublié. On démarre de notre corde de mi aiguë, pour remonter vers la mi-grave. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même, être les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème, ce que l'on sème. Voilà. Donc on fait bien la différence entre les deux fois basse aiguë et les quatre fois basse aiguë. C'est tout ce qu'il y a à dire pour cette musique. Et vous souhaitez bonne gratouille.